tout le monde, alors aujourd'hui je vais ici dans le jardin et je vais m'entraîner pour faire le poirier. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le poirier, c'est attendez, je vais vous montrer, je ne sais pas le faire. Hein. Donc c'est un peu comme ça. Et en fait, c'est quand on fait la roue, mais qu'après, les jambes, elles doivent rester droites et bien collées, et elles doivent tenir debout. Mais moi, je sais juste faire un peu la moitié. Donc, c'est pour ça que j'ai une assistante. Alors aujourd'hui je suis dans le jardin et dans le jardin je vais m'entraîner à faire le poirier. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi le poirier, je vais vous montrer. C'est un peu ça. Ouais, t'arrêtes de faire chérie. Ouais. Donc en fait moi je sais pas trop le faire. Si je sais le faire, sauf qu'après la gravité elle m'emmène sur le bas. Donc voilà, je ne sais pas trop le faire. En fait, c'est quand c'est la roue et que les jambes, elles vont rester droites, collées. Waouh, c'est bien fait. D'abord, je vais vous montrer comment c'est la roue. Là, je vais essayer de faire le poirier. Mais d'abord, je vais vous montrer comment moi je fais la roue. Waouh. C'est bien cher. Je vais faire le poirier et ensuite tu vas devoir attraper ma cheville. Ouais. Non, ma cheville. Et ensuite tu la mets en haut. Surtout tu me lâches pas. Ouais. Ouais, tu vas la mettre tes jambes droites. Ne me lâche surtout pas. Voilà, c'est ça, non? Ne me lâche surtout pas, ok? C'est quoi ça? C'est le poirier. Essayez, mettez tout droit, tout pour... Non, droit, c'est pour tes jambes. Donc là, j'ai essayé de faire un poirier, parce qu'après, mon assistante, elle m'a pas rattrapé les cheveux.
et elle m'a laissé tomber. Une fois, elle m'a attrapé une cheville et après, elle est chute pour voir. Donc là, j'ai un peu échauffé parce que je suis fondée. Mais heureusement que je fais du jour et que je dois toujours mettre ma tête. Je dois toujours relever ma tête quand je me dis tout. Donc après, ma tête, elle va être bien. Donc en gros, c'est mon assistante. Elle m'a pas attrapé le chevilles. Bah, je suis trouvée. Et voilà. Heureusement, j'ai revu ma tête. Donc là, je vais un peu faire rentrer. Allez, vas-y, retourne. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. C'est juste que c'est un peu dodu là. Ouais, allez, vas-y. Touche ton dos, hein. Continue. Tu arrêtes pas. Bien. Ok. Continue. Retour. Hein? Retour. Ouais, super. Super. Ok. Donc là, on va arrêter un peu de faire le poirier et on va courir sur le tapis roulant. Donc, il est dans la cuisine. Donc, c'est parti! Attends, l'eau! Faut surtout pas qu'il vienne me rattraper tout court. Ok, là on va commencer par l'échauffement. C'est très important. On va commencer un peu par s'échauffer. On va faire 40 km par heure pour l'échauffement.
dans les bras, dans les bras, qu'après, on appuie bien fort, que sur cette, que ça quoi. Donc, c'est aussi l'échauffement pour les bras. C'est parti. Cours. Maintenant, on va commencer à courir. Commencer à faire comme les coureurs dans la ville. On fait comme ça. Voilà. 61 km par heure. Allez. Là, on pourra arrêter de tenir ici parce que on fait un peu comme ça. Voilà, on a dit ses bras. Ça fait déjà 2 minutes. Encore 3 minutes. Ok, 2 minutes encore. Ok, maintenant, on va commencer à courir. Encore 2 minutes à tenir. Ça fait bien légèrement aux jambes. Mais en 4 minutes, donc plus qu'une minute, et ce sera bon. Encore, ce sera 10 secondes. Et maintenant, on fait quoi alors? On va faire trampoline. Attends, mais d'abord, je vais. Tu viens avec nous? D'abord, je vais me la couler douce. Et après, je dois faire le trampoline. Donc, après, il faut faire attention à ne pas tomber. Moi, parfois, ça m'arrive de tomber, mais bon, je me suis habituée, donc je ne tombe plus maintenant. Et mes chaussures, on va les mettre ici pour pas que mes deux les mâchouillent. Et à chaque fois, on joue à un jeu. En fait, c'est de s'asseoir sur le trampoline et après, j'essaie de rebondir. Et attends, les yeux vont. 1, 2, 3. C'était un peu de faire comme ça. Et à 3, on devait le faire sans s'arrêter. Donc voilà. 1. 2, 3. Aïe.
vous êtes derrière. Donc voilà, là on a fait l'exercice du poirier, le tapis roulant et le crocodile. Donc voilà tout ça. Et donc c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous. 1, 2, 3, arrivederci. Hasta luego, amigo. Hasta luego, amiga.